Est-ce que vous connaissez même ce qui se passe sur les réseaux sociaux présentement? Hey! Kumé a servi le papier de quoi à qui, maman? Hey! Outililo! Bon, la famille, j'aimerais vous saluer. J'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur cette chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner sur cette chaîne. Oui, aujourd'hui, je reviens avec un update pour vous à faire à suivre concernant notre tonton préféré, Ule Edoche, qui est un acteur nigérian du Nollywood, et ses deux femmes. Bon, mais qui est la première femme de Ule Edoche? Il fut un temps en décembre, elle a filmé une photo de famille que vous voyez là sur l'écran. Et quand elle filmait cette photo, son mari Ule Edoche n'était pas dans cette photo, ni son deuxième bureau et son fils. Quand elle a filmé cette photo, elle l'a mis sur les réseaux sociaux. Les gens ont apprécié, les blogueuses, les blogueurs. Ils ont pris la photo, ils ont dit « Wow, une belle famille, n'est-ce pas ?» Si Ule Edoche restait sur place, s'il ne prenait pas son petit vélo pour se balader avec son plantain en main, comme s'il cherchait qui partageait, que s'il restait alors sur place, n'est-ce pas, il devait être dans la vidéo. Les gens ont commencé à le taguer que « Maman, regarde une belle famille comme cela. Hein? » Elle filmait la photo de famille sans son mari à côté. Voilà alors la copine intime du deuxième bureau de Ule Edoche, dans la copine de Judith Austin. Elle reste sur les réseaux sociaux. Alors, elle prend la photo que May Edoche a filmée en famille avec ses enfants. Elle va faire le Photoshop, comme vous voyez. Elle met la photo de Ule Edoche à côté. Elle met le fils de Judith Austin à côté, et elle met Judith Austin, elle dit « Wow, c'est comme ça que la famille devait normalement être. » Je parle comme ça de la meilleure copine de la deuxième femme. Hein. C'est elle qui prend la photo de la première femme et ses enfants qu'elle a filmé tranquillement, mettre sur sa page. Elle n'a pas fait le Photoshop, elle augmente le mari à côté, le fils que le mari a eu dehors à côté, et avec son deuxième bureau à côté. C'est de là, mais fait comme ça, n'a pas vu, les gens ont partagé, on a fait les vidéos que, oh, regardez ce qu'on est parti chercher, oh, oh, quelle personne a augmenté la famille, c'est une famille grandiose maintenant, oh, normalement, c'est comme cela, la famille devait être, si mais accepter Judith Austin, deux oreilles ne devaient pas entendre, il devait seulement vivre étant, on dit quoi, grande famille, non? Mais a fait comme ça, n'a pas vu, maman. Hey! Maintenant que May a vu maman, donc apparemment, hein, May était en train de travailler derrière maman. On dit souvent que qui marche doucement va sûrement l'entendre. Oh, on dit ça comment la famille? Dites-moi ça en commentaire. Yeah, maman, oh, May m'a fait. Donc, mon cœur est tellement sucré à l'heure-ci là. Donc, May est restée là, vue. Elle a dit que, ok, on doit seulement se voir au parquet. Je vais d'abord traduire ce que May a écrit. Avant de vous traduire la lettre qu'a envoyé l'avocat de May. Maman, 500 millions de naira. Hey, pour déformation de quoi? Des noms, des photos. Hey, maman, c'est lourd. Hey. En tout cas, voilà ce que May écrit d'abord, ok? Elle dit ceci. Il est très inconsidéré et humiliant de salir qui que ce soit, en particulier quelqu'un que vous connaissais à peine. J'ai toujours eu une famille paisible, joyeuse et aimante. J'ai travaillé sans relâche pendant plusieurs années à construire une belle maison tout en gagnant avec succès plusieurs entreprises. Ok? Il est très évident que certaines personnes ont délibérément et désespérément essayé d'entacher ma réputation et de changer le récit, afin de s'adapter à leur agenda. C'est inacceptable pour moi. Mon équipe juridique passionnée serait extrêmement heureux d'en dîner avec toute personne qui cesse et s'abstient d'assignation de personnalité ou de publication défamatoire devant les tribunaux. Quand elle a écrit ça, alors, elle a posté ce que vous voyez là, maman. Josie, tu dois tout lire ça. J'aimerais vous faire une traduction de ce qui est dans l'enveloppe ou bien la lettre qu'a postée May et envoyée par son avocat.
Peut-être dire chez Madame Sarah, pam 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 pam, le reste de nom. Poursuite contre Sarah, pam pam pam, demande exclusion et rétractation d'une publication diffamatoire. Hey, le goût de ça, oh! Bon, je vais lire les parties importantes, hein. Notre cabinet a été retenu par Madame Mary Uledoche, alias May Uledoche, avec l'instruction d'exercer un recours légal contre vous pour diffamation et harcèlement, en relation avec le large rendu public, les déclarations et commentaires faux. Hey, maman. En tout cas, la famille, je vais juste vous faire un résumé pour ceux qui peuvent lire l'anglais, ou bien vous pouvez prendre, on appelle ça quoi? Vous traduisez en français. Je vais juste faire un résumé de ce qui est écrit dans cette lettre. Donc, le 27 décembre, si je ne me trompe pas, ok, à Lashley, apparemment, cette femme qui est la copine de Judith Austin, elle est allée dans un live. Après avoir publié la photo de May qu'elle a refait en Photoshop, et les gens, bon, la photo est allée tellement virale que les gens ont commencé à l'appeler que, hey, maman, c'est comment? Elle a dit, oui, c'est comme cela la famille devait être, qu'elle accepte ma copine, c'est quoi? Est-ce que c'est quoi? Hein? Est-ce qu'elle a fait que quoi? Elle est déjà dedans, ma copine est dedans. Elle a fait plusieurs lives et puis elle est allée dans un live avec Daddy Freeze aussi, qui est un célébrité nigérien. Bon, elle était invitée là-bas, elle a parlé les choses le jour-là jusqu'à dire que, hein, même si c'est elle là, parce que les gens l'ont posé la question que même si c'est elle là, hein, c'est quelqu'un qui est riche, la maman, mais c'est deuxième femme, elle est June seulement. Les gens disent que pourquoi je n'ai pas conseillé ta copine et tout. Elle a dit, mais c'est son choix, hein, qu'on ne peut pas mettre la bouche dans l'air à faire parce qu'ils se sont aimés depuis les années 1900. Ouais, que ce que Judith demande à une, c'est seulement fait parce que une et d'autres aiment tellement Judith et tout et qu'on soit. Elle a dit les choses le jour là jusqu'à. Donc elle faisait comme si elle connaissait Judith et une et d'autres. Elle a dit les choses concernant mes d'autres en disant qu'elle n'accepte pas pourquoi. Eh, ça c'est quoi? Elle a dit les choses. Sans connaître que May et d'autres étaient là avec sa team, ils regardaient seulement, ils ne parlaient pas. Maintenant, voilà May et d'autres qui est sorti avec 500 millions de naira. Vous allez voir tout l'argent là où pour payer May et d'autres. Quelqu'un a filmé sa photo, elle et ses enfants. Elle est encore là-bas, elle n'a même pas encore digéré l'affaire que vous avez chin son mari. Vous sortez encore avec pour vous le Photoshop. Vous ne connaissez pas les réseaux sociaux là. Même Josie, c'est qui parle. Vous voyez, il y a souvent les sujets que quand je vois, je ne parle pas. Parce que, il y a souvent les sujets que quand tu zoom là-bas, non, maman, sortez encore. Quand tu zoom dans certains sujets, non, maman, on laisse tout le monde qui a parlé, c'est toi qu'on vient pêcher, maman. Hein? Si elle prenait aussi la photo, elle partageait comme vue. Ça devait être qu'elle a vu comme cela sur les réseaux sociaux. Tu prends la photo de quelqu'un, tu vas augmenter une personne qu'on n'a même pas encore acceptée sur une photo. Tu sais que la fille, la femme en question, elle encore, elle n'a même pas encore digéré ce que vous avez chez son mari, vous avez utilisé quoi. Oh. Vous partez encore former une grande famille. Comme ça ne suffisait pas, tu passes les lives, les quoi. Elle commence à expliquer les langues 2000. Ouais, sa copine est ceci, c'est là avec une et d'autres. Elle a dit les choses jusqu'à mais je dis que le tout cela non c'est 500 millions de naira ou ça ou rien vous allez en gâta donc les gens vont aller en gâta derrière le truc cela et les commentaires alors il y a plusieurs personnes qui disaient que oh mais elle a trop réagi c'est les réseaux sociaux elle il fallait qu'elle laisse tout et tout donc attendez votre tour. Quand quelqu'un va venir chez votre mari et la meilleure copine de cette personne non, doit prendre vos photos, aller faire les Photoshop, ça va circuler sur les réseaux sociaux. Le moment là, non, vous allez venir nous dire si vous allez aussi laisser. Mais nous sommes dans une génération qui à l'heure, si là, non, c'est la loi qui paye, oui. Quelqu'un te fait quelque chose, tu n'as même pas besoin de répondre, tu n'as même pas besoin de parler. Je sais que tu as ton agent et maman. Foncez seulement que la personne a bien prouvé tant devant la loi, c'est tout. Donc, ce que May a fait là, non, moi, à 100%, je suis que derrière elle, jusqu'à la gare, elle a filmé sa photo, elle ne vous a pas envoyé d'aller faire les Photoshop, augmenter une personne qu'elle n'a même pas encore acceptée, augmenter un enfant qu'elle n'a même pas encore accepté. Bon, laissons l'enfant parce que l'enfant n'a rien eu, voilà, dedans. Mais prendre déjà la photo de la mère de l'enfant, mettre à côté, dire que, imposer que, voilà comment
comment la famille devait être normalement. Tu as partagé cette photo. Même Huledo, tu avais partagé la photo. Les gens demandent que pourquoi est-ce qu'elle n'a pas aussi donné une lettre à Huledo, qui est son mari, parce que lui-même aussi, il avait partagé cette photo sur sa page. Mais c'est son mari. Vous ne connaissez pas comment ils sont en train de gérer là-bas. Hein? Même si c'est le mariage, il est en train de prendre le virage là. Hein? Vous ne connaissez pas ce qui se passe, mais c'est quelqu'un qui ne parle pas. C'est la sortie avec ceci sur les réseaux sociaux. C'est pour vous dire que peut-être, vous pensez que la femme se ne parle pas. Mais là où elle est là, elle se comporte comme une femme qui a vraiment fréquenté. Ce n'est pas la fête de venir sur les réseaux sociaux, faire le tapas. Poster les photos, monter, descendre. Elle est jette dans le silence, maman. Courage à toi, mais que le Seigneur te donne la force de pouvoir te ré. Hey.